Brandon, ils sont toujours contents de t'avoir avec toi. C'est tellement incroyable. Leur pouvoir s'en va parce qu'ils sont fâchés maintenant. Excuse-moi. Mais ce qu'on voit maintenant, ces gens-là, Tucker, sont malades. Ils sont vraiment malades mentales. Qui veulent que les gens souffrent juste pour le sport. Juste pour le sport. On sait que la science fait pas de sens. Ça n'a jamais fait de sens. La science change toujours pour eux autres. Ils se spécialisent là-dedans. C'est comme s'ils jouaient à Jandy pour les enfants. C'est triste de voir les gens qui célèbrent parce qu'on réalise que les gens ils souffraient parce qu'ils portaient le masque parce qu'ils avaient peur de pas avoir d'aller en prison. Imagine avoir une charge fédérale parce que juste parce que t'as pas de masque d'en face. On a vu des enfants souffrir en avant, des enfants handicapés se faire mettre dehors de l'avion parce qu'ils voulaient pas avoir le masque. Des enfants de 2 ans qui pleuraient, qui comprenaient pas pourquoi il fallait qu'on leur fasse mettre un masque. Puis ça se passait juste en Amérique. J'ai voyagé en Europe. Ça se passait plus là-bas. C'est pas basé sur la science, c'est basé sur le contrôle. Ils ont le contrôle, ils veulent pas leur donner. Mais comme moi, même si je suis contente, je pense pas que c'est une victoire parce qu'on devrait pas célébrer qu'on fait juste nous redonner nos droits de base. Et je ne célébrerai pas jusqu'à temps que ces gens-là payent des conséquences. C'était inconstitutionnel. Donc, OSHA, ils ont brisé, CDC ont brisé la loi. Puis, ils n'avaient pas le pouvoir de faire ça. Lorsque les gens normaux brisent la loi, ils vont en prison. Pourquoi Rachel Alinsky et les membres du CDC les cartels de la drogue dans notre pays soient au-dessus de la loi, puis je n'arrêterai pas jusqu'à temps que ces gens-là soient derrière les barreaux. On sait que les masques ne marchent pas. Vous voyez maintenant pourquoi Candace Owens, c'est la meilleure et qu'elle serait parfaite comme vice-présidente aux côtés de Donald Trump. C'est mon opinion, Capitaine Cosmos, à la traduction pour les diffuseurs. Live. Candace Owens, thank you.